Bonjour les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, que vous vous portez bien, que voilà, ça avance comme vous le souhaitez dans votre vie et à partir du moment déjà où ça avance, eh ben, ça veut dire que ça progresse. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur et justement aujourd'hui, je vous propose d'accueillir des messages pour vous guider actuellement sur votre chemin de vie. Quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, eh bien, il y a des messages pour toi, des messages de l'univers. On va découvrir un petit peu déjà ce que tu traverses actuellement en termes d'énergie, et puis on va voir aussi du point de vue de l'univers, qu'est-ce qu'il t'invite à vivre. Donc c'est une invitation, c'est pas une obligation, c'est quelque part l'aiguillage que te conseille l'univers sur ton chemin de vie pour la prochaine étape qui t'attend. Alors, comme d'habitude, j'aime beaucoup ça, donc je vais te proposer un tirage à choix pour que vraiment la guidance qui va suivre, elle résonne pile poil directement avec toi. Donc tu vas la ressentir normalement assez puissamment, surtout avec les jeux que j'ai utilisés. Tu verras, j'ai un jeu que je crois que j'ai jamais présenté, qu'on m'a offert et qui est donc voilà, l'Oracle aux portes de l'unité. C'est un jeu en auto-édition, donc il n'y a pas beaucoup comment dire, d'exemplaires, voilà, de ce jeu qui existe. D'ailleurs, c'est ce qui va t'aider à faire le choix aussi, puisque tu vas voir, je vais te montrer les illustrations, et puis c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc bon, on va voir, je vais te guider. Tout simplement. Et puis, il n'y a pas à se prendre la tête, tu vas y arriver, tu vas faire le bon choix, ne t'inquiète pas. Voilà, donc tu peux écouter le tac qui t'attire, le choix qui t'attire, tu peux en écouter plusieurs éventuellement. En bas de la vidéo, je vais mettre le timing, comme d'habitude, qui correspond à chacun de ces choix, les différents jeux que j'ai utilisés aussi, tu vois, on a du tarot, de l'oracle, on a un petit peu de tout. Et puis aussi, très important, en tout cas si tu en ressens l'appel, si tu en ressens le besoin, tu peux me contacter directement en passant notamment par mon site, voilà, par mail, par téléphone, si tu veux me laisser un message, un témoignage, par Facebook aussi. Et puis je t'invite à découvrir, j'ai voilà, fait pas mal de réajustements ces derniers temps dans mes prestations, dans les formules que je propose, dans les accompagnements que je propose. Donc je t'invite à découvrir ça sur mon site. Et le lien est en bas de la vidéo. J'ai notamment une grande nouveauté, quelque chose que je ne faisais pas avant, mais je vais proposer, enfin je propose déjà, des accompagnements sur une année complète, voilà, pour t'aider à te métamorphoser, véritablement, je pense que c'est le mot, parce que au-delà de t'aider sur les choses concrètes qui peuvent arriver dans ta vie, en termes de prédictions, etc., là, c'est vraiment un changement beaucoup plus profond, plus spirituel, et te permettre, en fait, justement, de manifester eh ben, ton plein potentiel, la vie que tu souhaites, réaliser tes rêves. Voilà, c'est ça aussi qui me motive, moi, à titre personnel, c'est ce que j'essaye d'intégrer et surtout d'incarner, c'est ça, pleinement dans ma vie. Et voilà, je propose notamment un accompagnement total, global, et bien pour t'aider dans ce même cheminement que je suis, et puis au final dans lequel nous sommes un peu tous, où nous sommes tous destinés à vivre. Voilà. Voilà. Bon, alors, c'est fini pour l'introduction, donc je vais te montrer les trois images. Donc, ce sont juste des images. Moi, tu verras après, dans la guidance, j'y ai mis un numéro. Et un titre aussi, mais ce qui compte, c'est surtout, voilà, toi, ce que tu ressens. Donc, choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause hein, pour vraiment t'inspirer dans l'image. Peut-être je vais la mettre le plus près que je peux pour que tu puisses y voir certaines choses aussi. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah, des fois le zoom est assez. Alors attends. Voilà, choix numéro 2. Et pour finir, je te propose le choix numéro 3.
Voilà, donc je pense que tu as déjà fait ton choix. Encore une fois, laisse-toi guider spontanément et puis mets sur pause s'il y a besoin. Voilà, donc c'est parti pour ta guidance. Je te retrouve tout de suite. Je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors on va essayer d'abord, j'aime bien moi, installer les cartes, cadrer un petit peu tout ça pour que on puisse tout voir. Enfin, moi, bien sûr, je vais tout voir, mais toi aussi, j'aimerais. Alors, oui, c'est ça. Tac. Le souci du détail. Voilà, écoute, ça me semble pas mal du tout. Alors, on va commencer ici, comme je te l'ai dit, par ton énergie actuelle, les énergies en présence pour toi, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur ton chemin? On a le 5 d'épée. Et la carte blanche. D'accord, ok. Alors, le 5 d'épée, elle renvoie à la notion de conflit, de dispute. Mais la bonne nouvelle, en plus de la carte blanche qu'on a après qui vient confirmer ça, c'est que tu vois, j'ai l'impression que là, on dépose les armes. Voilà, c'est ça. Les armes sont déposées à terre. Le combat, la querelle, le défi, la dispute est terminé. D'accord? On a aussi ce personnage-là qui est recouvert de vert. Pour moi, il arbore la guérison. D'accord? Donc, c'est comme si le conflit arrivait à sa résolution, où tu es tout proche, ou peut-être que c'est vraiment l'énergie justement actuelle, c'est en train, voilà, ça se termine. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, un conflit, et c'est positif, c'est bénéfique. Ce conflit, il peut bien sûr avoir attrait pour toi à différents domaines, différents aspects. Ça peut être avec des personnes, puisqu'on a ici là, voilà, trois personnages dans la carte. On a un personnage qui a gagné, entre guillemets, et je vais revenir sur le entre guillemets, et des personnages voilà, qui ont déposé les armes et qui abandonnent ou qui ont perdu, ou voilà, donc qui s'éloignent. Il y a un éloignement aussi. Donc ça peut être avec des personnes, auquel cas. Peut-être qu'il y a aussi la notion de sentiment de perte, d'abandonner quelque chose, que quelque chose quitte notre vie, quelque chose nous abandonne. D'accord? Donc si ce sont des personnes. Maintenant, on est dans le domaine aussi du mental avec ses épées dans le tarot. Et le mental peut signifier aussi notre mental, donc un combat avec soi-même. Peut-être qu'il y avait une lutte avec soi-même et cette lutte touche maintenant à sa fin. D'accord? Et tu sors, dans tous les cas, victorieux de cette épreuve, parce que c'est ce que j'entends, moi, c'était pas. Comment dire? Dans ce conflit, il n'y avait pas un enjeu de vie ou de mort. C'était une épreuve, d'ailleurs, moi, avec le langage de l'univers, j'entends, c'était plus un jeu qu'autre chose. Tu vois, comme si, par exemple, là, ces personnages, en fait, ils s'étaient amusés, voilà, genre comme quand on est petit, quoi. Et puis bon, voilà, ils arrêtent de jouer. Il y en a un qui a gagné, il a gagné tout, il a gagné le gros lot, quoi. Et voilà, il y a un apaisement, un allègement que je ressens au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit qui arrive pour toi ou qui est là, qui est déjà présent. Alors. Oui, tout simplement aussi avec cette carte, il est possible qu'au présent, il y a comment on dit ça? Un goût amer. Alors, j'ai en anglais bittersweet. D'ailleurs, je crois que c'est ça. En fait, si tu veux, ce personnage, il peut avoir la satisfaction d'avoir gagné, là, dans la carte, mais en même temps, un petit goût amer aussi, bah, parce qu'il perd quelqu'un ou il perd quelque chose. Tu vois, on abandonne, voilà, il y a une perte symbolique, d'accord? Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, ça peut être aussi à l'intérieur, ces énergies, d'accord? Ça ne concernait pas forcément une situation extérieure, ça peut être, voilà, dans ta vie spirituelle, dans ta vie intérieure, sur ton propre cheminement.
Mais il y a quand même quelque chose qui vient nous dire ici que c'est extrêmement positif, ce que tu vis actuellement, parce qu'on a la carte blanche. Voilà, c'est une très belle carte, j'adore cette carte. Il n'y a rien dessus, mais justement, tout est à écrire. Donc il y a une page qui se tourne, littéralement, il y a une page qui se tourne, et une nouvelle page qui va pouvoir s'ouvrir, une page blanche, synonyme de tous les possibles. D'accord? Donc ça vient confirmer aussi l'aspect guérison qui a lieu parce que ce conflit, cette dispute, ces tensions, eh bien, s'arrêtent. Tu es aussi toi-même peut-être dans l'énergie de vouloir ouvrir une nouvelle page, de dire, bon ben voilà, j'ai assez lutté. Tu peux aussi peut-être représenter ces personnages, hein, c'est-à-dire déposer les armes, j'arrête de combattre dans une situation où je m'épuise, une situation qui n'a peut-être ni queue ni tête et qui ne sert pas mon plus grand bien, et en fait, voilà, abandonner cette bataille au profit de quelque chose de plus lumineux, voilà, d'autres choses, hein, quelque chose qui n'est pas encore défini, tu vois, la carte blanche ici. Il n'y a rien dans le cadre. C'est toi qui vas pouvoir. C'est ça, moi, que j'adore avec la carte blanche, c'est que elle est tellement synonyme d'infinies possibilités, d'ouverture, de concrétisation aussi de rêves, hein. On met ce qu'on veut dans cette carte blanche. Ok, alors, on va voir justement en deuxième position ce que l'univers, lui, il souhaiterait que tu expérimentes. Qu'est-ce qu'il t'invite à vivre et à expérimenter concrètement? Alors, le 2 de bâton, avec la rupture. Alors, petit aparté rapide là sur la rupture, enfin je vais y revenir, mais j'ai plusieurs messages qui viennent spontanément. C'est que en effet, tu vois, ça confirme que peut-être quelque chose s'arrête ici, quelque chose se brise, quelque chose qui arrive là. On est dans de l'énergie ici rapide, directe, mais encore une fois, on a vu que c'était ben, pour ton plus grand bien, c'est pour te permettre d'accéder à autre chose ici, et c'est ce qu'on va voir particulièrement avec ce 2 de bâton. Voilà, peut-être en effet qu'il y a une rupture avec certaines personnes, un éloignement. On a dit les choses clairement aussi, c'est possible. On parle de communication qui ont été franches. On a échangé nos idées, notre point de vue. Et peut-être que, bon, bah, tout simplement, voilà, on n'arrive pas à trouver une conciliation, on n'est pas d'accord. Et voilà, ça amène cette rupture. Mais sache en tout cas que c'est. Ben justement, c'est dans l'ordre divin, tu vois. Ici, on est ce que l'univers t'invite à vivre. Et puis, j'ai fait un lapsus avec le vide. Donc, ne pense pas ici que quelque chose part de toi, que c'est le vide. Parce que le vide n'existe pas. L'univers, ça n'existe pas, en fait, le vide. Donc, si toi, tu te vides de quelque chose, si tu te délestes, tu te sépares de quelque chose, forcément, sans même rien que tu fasses, sans rien que tu agisses, l'univers, il va venir combler ce vide par autre chose. Voilà. Alors, je reviens sur peut-être aussi le message. Là, c'était une aparté, mais le message. J'allais dire le message principal, mais en fait, bon, tous les messages sont importants. Le 2 de bâton ici, ce que l'univers t'invite à vivre, c'est à te positionner. À te positionner, j'entends, et véritablement à te poser les bonnes questions. Parce que le 2 de bâton, c'est une carte d'évaluation. On effectue des plans, des projections. Et si je vais dans cette direction, qu'est-ce qui se passe? Et si je vais dans celle-ci? Il doit faire un choix de vie. Il doit faire un choix entre ces deux bâtons, deux idées peut-être, deux projets à mener. Et là, c'est un temps où tu as besoin justement avec l'éclair ici de révélation, de prise de conscience importante, certainement par rapport à ton chemin. Qu'est-ce que tu as envie sur ton chemin? Peut-être aussi te poser la question de manière plus spirituelle, quelle est ta mission de vie? Qu'es-tu venu faire ici? Qu'es-tu venu réaliser, concrétiser, matérialiser? On le voit, ce personnage, il tient dans sa main droite, justement main de l'action,
Oui, c'est ça, main de l'action, de l'effort, de voilà, on fait dans le concret, et justement avec sa main droite, il tient la terre. La terre, donc, symbolique de qu'est-ce que je suis venu faire ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. On voit aussi l'éclair là qui vient frapper le sol, donc tu vois le divin qui vient s'incarner dans la matière, qui vient créer des bouleversements dans la matière. Donc comme il y a cette page qui se tourne, forcément, c'est assez logique que maintenant l'étape d'après, c'est bon, eh ben, quelle page je vais ouvrir? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? C'est ces questions-là qu'on t'invite à te poser, que l'univers t'invite à te poser. L'univers, bien sûr, il veut que tu agisses ensuite et que tu fasses un choix, hein, un choix en ton âme et conscience, par rapport à toi uniquement, il n'y a que toi sur la carte ici, hein. Un choix peut-être guidé tout simplement par le divin ou par ton âme aussi, avec cet éclair qui vient du ciel. Et avec le 42 ici, on est sur le 4 plus 2, 6, 6 qui est le chiffre, notamment si on fait référence aux arcanes majeures dans le tarot, du choix, du libre arbitre. C'est très important que tu entendes que tu es libre maintenant. La page blanche, tu es libre. Voilà, puisque quelque chose s'arrête, et j'ai envie de dire pour le bien de tous, et avant tout pour ton propre bien, maintenant, que veux-tu faire? Que vas-tu faire aussi? Donc l'univers, il t'invite à vivre cette phase, cette phase, j'ai dit, je voulais dire cette phase, mais je vais regarder, enfin, je vais garder en tête le mot phase. Alors, attends, faut pas que je me perde trop dans ce qui me vient. Cette phase d'introspection. Voilà, justement, aller voir la face cachée. Voilà, c'est ça, la face cachée en toi. Quelles sont tes véritables aspirations, tes véritables buts? Qu'es-tu venu vivre ici? Qu'es-tu venu incarner? Qu'est-ce que tu as envie de vivre et d'incarner? Il y a déjà une partie de toi, j'entends ici avec ce deux de bâton, qui est prête à s'engager, qui est prête à l'action. La seule chose que tu dois déterminer, c'est la direction, dans quoi je le mets. Tu vois, pour moi, là, je le vois, il est tout en rouge, ce personnage est en orange, donc on est sur les chakras du bas, chakra racine, chakra sacré, donc les ressources, la motivation, l'énergie, il y a quelque chose de bien stable pour toi, pour pouvoir le démarrer, hein, pour démarrer peut-être un projet. Mais vraiment, tu as besoin d'abord d'éclair de voilà, ok, ça y est, j'ai trouvé, tu vois. Ici, j'y vois comme un éclair de lucidité, éclair d'une idée, éclair de génie. Ça y est, ok, je fais mon choix maintenant, je vais vers là. Et alors, eh bien, la troisième position dans ce tirage correspond à la carte solution. Ce sont des conseils. Comment passer peut-être de l'énergie actuelle à ce que l'univers nous propose? Voilà. Alors, le 9 d'épée. Et la force. Alors, plusieurs interprétations et plusieurs messages ici que je ressens. Déjà, tu vois, on revient sur le domaine des épées, donc ne ressasse pas le passé. On a un personnage ici qui n'arrive pas à dormir, qui fait des cauchemars, qui est dans une certaine forme de peut-être d'angoisse, de peur. Donc déjà, voilà, une fois que la page elle est tournée, d'accord? Donc concentre-toi sur l'avenir et pas sur et bien sur ton vécu, là, sur le passé qui peut justement, comme je te dis, te laisser un goût un peu de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien agi, peut-être de la culpabilité, peut-être voilà des remises en question, mais là c'est plus nécessaire. Là tout ça, voilà, il est temps de s'en débarrasser. On est sur le chiffre 9, donc allège-toi de tout ça. Allège-toi aussi de tes peurs justement, quelles qu'elles soient par rapport à ce nouveau départ. Allège-toi de tes peurs, fais-toi confiance avec la carte de la force. C'est ça ici, la force, c'est là. On a un taureau, mais c'est l'énergie du lion aussi que je ressens, donc la confiance en soi. Justement, la détermination, la volonté. Dis-toi que tu es capable de matérialiser.
tu es capable d'accomplir ce que tu souhaites. Mais pour ça, il faut se libérer de ces angoisses mentales. Comme je t'ai dit, les épées, c'est lié au domaine du mental. Et en particulier dans le 9 d'épée. D'un point de vue positif aussi, la carte du 9 d'épée nous parle d'obsession, de choses auxquelles on n'arrive pas à se détacher dans l'esprit, dans les pensées, on est focalisé dessus, tu vois. Donc peut-être ici, dans le sens positif, ça nous dit justement défocalise-toi de certains échecs ou de ce que tu as traversé là, pour au contraire te focaliser avec foi, avec détermination sur tes projets de cœur, sur tes objectifs. Fais confiance aussi à tes rêves et non pas à tes cauchemars. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, éventuellement, peut-être peut faire des cauchemars. Ces cauchemars, eux, ils vont te donner des messages, mais qui ne sont pas portés par tes guides ou par ton cœur. Par contre, les rêves que tu peux faire, où tu ressors, tu es content, tu as eu une émotion de joie, il y a eu voilà, vraiment quelque chose de bénéfique qui s'est passé dans le rêve, là, justement, on te dit que ce sont des messages importants que tu reçois. Tu peux aussi demander, d'ailleurs, à tes guides avant d'aller dormir, d'avoir des messages, une guidance pour t'aider dans ta vie concrète, donc à travers tes rêves. Mais c'est ça, comment faire pour passer de cette énergie à cette énergie? Eh bien, tu as une force de penser. Tu vois, quand tu te concentres, la concentration, la focalisation sur une idée, sur un objet, eh bien ici, plutôt que de le mettre dans cette partie-là, eh bien mets-le dans cette partie-là. Et c'est là que tu auras des révélations, des grandes prises de conscience. Avec la force et le courage de croire en toi avant tout, de croire en ta réussite. Ok. Et alors on va découvrir, enfin redécouvrir la carte et puis voir un petit peu le message final et complémentaire. Alors tu avais été attiré par celle-ci, donc elle porte le numéro 25 et je l'ai appelée la pierre philosophale. La pierre philosophale. Alors la pierre philosophale, tu peux te renseigner dessus, hein, tu tapes sur Internet, mais de toute façon, moi je vais surtout te dire brièvement moi ce que c'est pour moi. La pierre philosophale, c'est une pierre, on va dire, magique. Il me semble qu'on dit que cette pierre philosophale, elle peut notamment transformer, comme les alchimistes, le plomb en or. Donc c'est une pierre de transmutation. Enfin, pour moi c'est la pierre justement de tous les possibles. C'est comme si on pouvait la retrouver là. La pierre du pouvoir illimité. D'accord? Bon, maintenant moi j'ai une croyance particulière par rapport à ça. Pour moi ce n'est pas une pierre qu'on peut trouver. Voilà, tiens, elle est dans un lieu, dans la matière. J'ai trouvé la pierre philosophale. Voilà, comme un artefact à trouver. En fait cette pierre philosophale elle est en nous. Voilà. Elle est en nous, cette pierre philosophale. C'est peut-être la pierre de l'esprit pur, de l'esprit du divin. Bon, voilà. Donc après, chacun ses croyances. Je te partage simplement cela. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est de partir en quête. Tu vois? De partir en quête justement de tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. On a en plus le chiffre 25, donc 5 plus 2, 7. C'est le chariot dans le tarot, c'est le fait d'être déterminé, d'avancer, de foncer même, j'ai envie de te dire, vers ses rêves, vers ses aspirations. Là, les énergies aussi, ça nous signifie qu'elles sont en train de se transmuter. Pour toi, il y a une véritable transformation alchimique, peut-être par le feu, parce que je ressens aussi l'énergie du phénix là dans cette carte.
Je le vois même ici, là. Voilà, moi j'y vois un phénix avec comme une petite crête verte ici, et puis le bec par là, et il regarde cette pierre philosophale, où il a trouvé cette pierre philosophale, et c'est dans ta transformation, dans ta réincarnation presque là, qui est en train de se dérouler dans ta vie, que bah, ça va changer énormément de choses, quoi, enfin tout simplement. Aussi, tu sais, le phénix, on dit qu'il renaît de ses cendres. Les cendres, elles sont là. Les cendres, c'est bon, c'est le passé, mais c'est en même temps une force. Tu vois, ce que tu as vécu, les choses douloureuses ici, là, avec le 9 d'épée, que ça peut être aussi ta force. Tout dépend comment tu, quelle perception tu mets, comme je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu ressasses et tu culpabilises, ou tu, voilà, tu dis, ça aurait pas dû se passer comme ça, etc. Quelle pensée tu alimentes, en fait, le plus? Donc le 9 d'épée, il peut être très positif à partir du moment où on se sert de cette force de la pensée pour alimenter, eh bien, le feu de ton âme, le feu sacré en toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi, mais en même temps, j'en doute pas. Tu peux me laisser un petit commentaire, un petit partager tes ressentis si tu veux. Voilà, c'est libre. Tu es libre, ne l'oublie pas aussi. Donc là, vraiment, voilà. Écoute-toi et tu peux créer ce que tu veux. Tu as la force, tu as les ressources pour y arriver. Voilà, tu as déjà ça en toi. Donc, bah, écoute, je te souhaite un très beau chemin. Oh là, j'ai du mal. Bref, je te souhaite une très belle continuation sur ton chemin. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2, choix numéro 2 avec cette carte. On y reviendra à la toute fin, ça sera le message final ici. Et je vais disposer les cartes de manière à tout cadrer. Voilà, ça me semble pas mal, ça me semble même... Ouais, je regarde, très beau. Ok. Alors, on va commencer ici par... En fait, c'est bizarre, écoute, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai envie de le faire différemment pour toi. Pour le premier, c'est pas ce qui m'est venu, mais pour toi, en fait, j'ai envie de commencer par celle-ci. Alors, c'est une carte que j'ai nommé le passage initiatique, la numéro 5. Alors, ici, ça veut dire que justement, tu es dans cette phase pour toi de passage initiatique. Passage initiatique, j'y ressens comme une, peut-être comme une épreuve de vie, hein, qui est importante. Moi, j'entends tout à fait que c'est ce que tu vis, ce que tu traverses actuellement, ça a été choisi. Hein, ça a été choisi par ton âme, ça a été choisi et orchestré aussi par le divin. C'est pour amener, bien sûr, des grands changements, parce qu'on a le chiffre 5 qui est, qui représente bah, les changements, peut-être les crises, les conflits, les difficultés que nous sommes amenés à dépasser. Donc ce passage initiatique, c'est une sorte d'épreuve aussi pour toi. Mais c'est pour t'amener dans un autre monde. Hein. C'est pour t'amener, j'entends aussi, à, comment dire, à une évolution spirituelle, passer une porte. C'est ça que j'entends. Passer une porte, ouvrir de nouvelles portes aussi sur le plan spirituel, et moins attaché à la matière, moins attaché à l'illusion, à ce qu'on peut percevoir, à comment dire, des choses liées à la matière, quoi, à la matérialité. D'accord? Alors, ça veut, matérialité, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est en tout cas ce qu'on expérimente dans le concret. D'accord? Je ressens ici pour toi que ce que tu traverses, ça va t'amener, et c'est déjà en train de t'amener, et ça tu vas en prendre conscience après, une fois que notamment tu l'auras dépassé, ça t'amène énormément de sagesse spirituelle, énormément de leçons sur le plan de tes croyances, de tes apprentissages. Voilà, tu es dans une phase d'apprentissage aussi. Initiatique, c'est, ça veut dire que c'est voilà, comme une épreuve de classe, quoi, pour t'amener ensuite à l'étape supérieure. Ok, on va, oui, on va avancer. Alors ici justement, on a l'énergie actuelle pour toi,
les énergies en présence sur ton chemin. Alors, nous avons un 7 d'épée. Et la pensée. Écoute, déjà, elles vont assez bien ensemble. Parce que, je dirais, le message principal ici, il est lié à l'énergie de ces deux cartes. La pensée, donc, c'est le mental, hein, c'est la réflexion, c'est l'analyse, parfois aussi, et en particulier, présentement pour toi, avec le 7 d'épée, la critique, le jugement, l'ego, voilà, tu es en train un peu de dealer tout ça, tu es en train de te rendre compte de certains schémas mentaux, psychologiques, psychiques, en lien avec tes pensées. Parce que le 7 d'épée, alors déjà, les épées, justement, c'est le domaine du mental, dans le tarot, ça fait partie de la famille du mental, bon, les épées. Et en plus, le 7, lui, il nous parle de l'ego, de la fausseté, des masques, des... Comment dire parfois, le 7 d'épée aussi représente la traîtrise, la manipulation, etc. Tu vois, on a un personnage qui a volé là des petites épées, tu vois, de ses tantes, et puis il s'en va en douce, d'accord ? Donc, pour moi, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses dans ton processus actuellement mental ou psychologique, d'où ce passage initiatique, mais la bonne nouvelle, c'est que quelque part, tu en as conscience, hein ? Tu en as conscience, c'est quand même une épreuve, parce que je ressens que c'est difficile pour toi de dealer avec tout ça, justement. Ouais, c'est vraiment intérieur. Hein. Je ne pense pas ici que ces énergies concernent une véritable situation à l'extérieur, sentimentale, professionnelle ou quoi. C'est toi avec toi-même, là. Ouais. Et puis, de toute façon, le passage initiatique, ça te concerne uniquement ton chemin d'âme, ici, ton cheminement de vie. Alors, peut-être que justement, actuellement, dans ton énergie, tu as envie de te délester de ces épées, tu vois ? Peut-être que tu te dis que tu n'en as pas besoin de ces pensées, de certaines pensées, ou peut-être de choisir, hein. Là, on dirait qu'il en a laissé deux ici, il en a laissé deux ici, puis il en a quand même pris quelques autres. Et peut-être c'est faire un choix dans les pensées, tout simplement. Il y a un gros travail qui se fait clairement à ce niveau-là, sur l'état d'esprit, sur le jeu du mental, voilà, le jeu du mental. Comme je t'ai dit, ça t'amène à prendre conscience de beaucoup de choses, là, ce que tu traverses. Donc, ce n'est pas facile sur le moment, parce que, en fait, tu n'arrives pas à te le sortir de la tête, tout simplement. C'est ce qu'on voit ici. Mais en même temps, eh bien... On te dit ici de ne pas être dans la fuite par rapport à tout ça, de voir les choses en face, de se poser les bonnes questions, d'essayer de comprendre aussi pourquoi tu as telle pensée, quel est le message caché derrière cette pensée, peut-être d'où ça vient, de quelle origine, quelle croyance est à l'origine de tout ça, voilà, comment ça s'est construit en fait. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un travail d'analyse, d'une certaine manière, et de compréhension, donc avec le mental, mais justement pour élucider quoi, pour mettre en lumière quoi, eh bien, le comportement mental, tu vois. Donc, ça montre aussi ici que c'est pas forcément contre toi, le mental, ça peut être un outil, et c'est un outil, là, actuellement, qui te sert et qui va te servir à te dépatouiller, à t'échapper peut-être de ce jeu mental, là, de cette prison mentale. Alors, je prends vraiment le temps de m'imprégner des images aussi, avant de passer à la suite.
Oui, peut-être que tu vas essayer de, tu es en train d'essayer de comprendre, de résoudre certains comportements. Pourquoi je n'ai pas osé, pourquoi j'ai fui à tel moment, peut-être des comportements de fuite, c'est ce que je ressens avec le 7 d'épée. Y a un peu un bilan aussi ici. Comprendre éventuellement pourquoi il y a eu aussi de la manipulation, pourquoi il y a des personnes qui t'ont abandonné. Voilà, c'est très vaste, hein. Tu vois comment ça résonne pour toi, mais on est dans une phase quand même ici, pour moi, d'introspection assez importante, hein. Et ça va t'entrouvrir ben voilà, une grande porte, des portes, sur le plan, sur le plan spirituel. Et ça n'aura pas de valeur, j'entends ça. Là, en fait, ce que tu traverses quelque part, eh bien, ça n'a pas de valeur. Tu verras, enfin, ça a une énorme valeur, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais tu te rends pas compte encore de la valeur de l'expérience que tu vis. Parce que ça va t'amener des enseignements. Riche. Alors, on va voir maintenant l'univers, justement, qu'est-ce qu'il aimerait que tu vives? Qu'est-ce qu'il t'invite à expérimenter? On a le roi de coupe, très bien, et l'amour, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ces deux énergies, enfin, ouais, c'est intéressant, très intéressant, parce que là, celles-ci, elles vont parfaitement ensemble. C'est presque comme si elles se répétaient d'une certaine manière, tu vois, elles s'assemblent complètement. Et celles-ci, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, elles s'assemblent aussi parfaitement. Pourquoi? Parce que le roi de coupe, il porte beaucoup d'amour en lui. Tu vois, il a une énorme coupe. Et le roi, il partage sa coupe avec les autres. Purement dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie. Il incarne tout ça. Et il incarne ici le roi, donc une maîtrise. C'est la dernière figure dans le tarot. C'est pas la plus puissante, mais si tu veux, celle qui est au-dessus, tu vois. Donc, l'univers, il veut t'amener ici. Il veut t'amener à cette place qui te revient de droit. Cette place eh ben, d'amour. Voilà, de baigner ici dans une énergie d'amour, dans une énergie de douceur. Et pour ça, bien sûr, peut-être que c'est à toi de te l'apporter. Parce que l'univers ici, avec le roi de coupe, il te dit, va à l'intérieur de toi, écouter tes émotions, écouter tout ton monde intérieur, tout ce que tu ressens, ton intuition aussi, mais particulièrement tes émotions, ce que tu ressens. Et mets-y beaucoup d'amour. L'univers, en fait, il veut que tu puisses être en totale harmonie intérieure, et même au-delà de l'harmonie, c'est l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres aussi, parce que le roi de coupe, il est vraiment dans l'entraide, hein. C'est un extrêmement bon conseiller, quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on peut tout dire. Il va pas être dans le jugement, il va être dans la compassion et... Voilà, tout simplement, il apporte un réconfort de par sa présence, de par son énergie qui est calme, qui est apaisée, parce que justement, lui, il a compris que c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, cette carte qui me dit, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, ce que les événements qu'on vit, les épreuves, qui doivent déterminer comment tu te sens à l'intérieur. Tu as le pouvoir ici, le roi, c'est une figure de pouvoir. Tu as le pouvoir, il a le sceptre en main aussi, symbole de pouvoir, tu vois. Il a le pouvoir de gérer ses émotions. De les gérer, ça ne veut pas dire de les annihiler, ça ne veut pas dire de les détruire. Non, au contraire, il est à l'écoute de ses émotions et il apprend à leur amener beaucoup d'amour, à s'amener beaucoup d'amour à l'intérieur. C'est intéressant aussi parce que là, le symbole du pouvoir, il est dans sa main gauche. Alors que, en général, c'est dans la main droite. Le pouvoir, c'est la main droite. La main gauche, ici, elle est liée plutôt à la partie yin qui est en nous, la partie féminine, la partie réception.
Donc on voit bien que ton... comment dire? L'univers, il veut te faire prendre conscience que ton pouvoir réside dans tes émotions, dans ta réceptivité, dans ta sensibilité, dans ton amour. Ouais, c'est très très clair ici. Donc là, actuellement, on est centré sur le mental et ici, on nous ramène au cœur. Ici, on nous ramène à ce qu'on ressent profondément, intimement. Peut-être, éventuellement, ouais, non, en fait, non. Enfin, j'allais te partager, je te la partage quand même, mais j'avoue que c'est pas, voilà, c'est pas mon ressenti tant que ça. Mais bon, allez, je le partage quand même. L'univers qui t'invite à vivre aussi, peut-être que ce personnage peut représenter quelqu'un d'extérieur. Alors, ça peut représenter une personne à qui, justement, on te dit de, eh bien, tout simplement de parler avec le cœur, de parler de tes sentiments, de ce que tu ressens, et ça sera bien accueilli ici. Le roi de coupe, comme je t'ai dit, il accueille, il écoute. Donc n'aie pas peur de ça. Ne garde pas les choses pour toi dans ton esprit. Au contraire, allège-toi en parlant, par la communication de tes ressentis. Voilà. Et aussi, ce personnage du roi de coupe, il peut représenter une personne, un professionnel. Le roi, c'est un professionnel qui va t'aider à comprendre certains mécanismes. Tu vois, peut-être le roi de coupe ici pourrait représenter... comment dire, quelqu'un qui fait de la psychothérapie. En fait, je sais pas trop, ça peut être tout un tas de personnes, mais en tout cas, c'est une personne aimante, une personne hyper bienveillante. Donc, si tu es appelé à te confier comme ça avec une personne, bah vas-y, fonce, parce que voilà, écoute-toi, tu trouveras une personne qui pourra t'écouter et te combler d'une certaine manière. Oui, alors je passe à la dernière carte, justement, elle qui nous parle du conseil. C'est la carte solution, un petit peu pour passer de ça à ça. Pour la carte solution, pour t'amener dans le chemin que l'univers te propose. Alors, le cavalier de Pentacle, le cavalier de Denier, oui, avec la justice. D'accord. Alors, conseil, comment passer de là à là? Eh bien, c'est simplement par l'action. Les cavaliers dans le tarot, tous les cavaliers représentent une forme d'action. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est un mouvement vers l'avant. Donc ici, tu vois, si on le mettait là, justement, comment passer de là à là, eh bien, on voit que il se dirige vers ce personnage. Ici, c'est reconnaître ta valeur, reconnaître, c'est ça, tes qualités, ta valeur. Le fait que tu es une personne fiable, on peut compter sur toi. Donc ça rejoint cette carte de l'amour, hein. Reconnaître sa valeur, c'est aussi s'apporter une forme d'amour. Donc, justement, arrêtez de te juger, hein. On a la justice ici en dessous. Donc, ne pas te juger, te flageller, te critiquer. T'auto-saboter au final. Et le cavalier de denier, il met des actions en place. D'accord? Il agit dans le concret parce que c'est l'énergie du denier. Tu vois, on a les trois énergies pour toi. On a les épées, plutôt la sphère mentale, les coupes, plutôt la sphère émotionnelle, et le denier, plutôt la sphère terrestre, palpable. Concret, le concret, c'est le domaine concret, le denier. Donc là, le conseil pour passer de là à là, pour avancer sur ton chemin, eh bien, c'est de mettre des actions en place, planter des graines. Et avec la justice, c'est guidé par justement ton âme, c'est faire en fonction de ce qui est juste pour toi, la cause qui te semble juste par rapport à tes valeurs, par rapport à... Voilà, par rapport à tout ça. Donc, un peu moins de mental, parce que là, le cavalier de denier, il ne réfléchit pas forcément. Il est plutôt dans l'acte. Voilà, il agit concrètement. Mais ce cavalier, il est aussi particulier parce que
Dans le tarot, c'est le plus lent des cavaliers. Des quatre cavaliers, c'est le plus lent. Parce qu'il prend son temps. Il prend son temps de faire bien les choses, de poser les bonnes actions. Il est sûr de lui pour chaque action qu'il pose. Ça veut dire que le résultat, eh ben, il est sûr d'y arriver au bout parce que il s'attarde pas justement au résultat, mais à chaque petite étape, chaque jalon qui jalonne justement le chemin. Ah, d'accord? C'est bizarre aussi, mais je l'entends comme ça. Alors, le conseil, c'est d'une certaine manière de faire de ton mental un ami. De faire de ton mental quelque chose qui va te servir justement dans les actions à entreprendre. D'accord? En fait, j'essaie de résumer. Tu vois, les deux là, les deux, ils sont équilibrés. Il y a besoin des deux. Il y a besoin du cœur, il y a besoin du mental. Voilà. Tout est important. Mais avant, c'était dans l'utilisation. Le mental n'était pas bien utilisé ici. Et là, il va te servir dans les actions que tu vas mettre en place. Donc en fait, je vais essayer de résumer. Il y a le cœur qui te donne une réponse, qui te donne un chemin, qui te donne une direction à suivre, d'accord? Et le cheval noir, c'est comme si c'était ton mental. Tu vois, le cœur ici, voilà, c'est il y a quelque chose qui émerge et qui te pousse à y aller, quoi. Ou qui te dit, tiens, j'ai besoin de ça en ce moment. Voilà, on s'écoute, hein, on est juste avec soi-même, on s'écoute. Et bien sûr, on prend en égale considération la voix du cœur et la voix du mental. Mais la voix, elle fonctionne en complémentarité. Le cœur, il va avec le chiffre 11 aussi. Complémentarité, tu vois, c'est égal, 1 et 1. D'accord? Pas de distinction, pas de jugement, etc. Donc, écouter son cœur et ensuite. Le mental, symbolisé ici par le destrier noir, eh bien, il va être ton ami. Il va t'aider à avancer dans ce chemin de concrétisation. Le cœur, il te donne l'objectif et le mental, il te donne le moyen d'y arriver. Donc, comment faire, par exemple, pour atteindre cette stabilité émotionnelle? Comment faire pour s'aimer davantage? Eh bien, c'est ton mental qui va te donner des pistes. Qui va te donner, tiens, essaye ça. Tiens, vu que j'ai besoin d'atteindre ça, comment je peux m'y prendre? Qu'est-ce qui vient de manière logique aussi, de manière sensée? Voilà, écoute, c'est un super message, des très beaux messages pour toi. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas vraiment, comme d'habitude, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Ça me fait plaisir. C'est important aussi pour moi d'avoir vos retours. Un petit like aussi si tu veux m'encourager. Et voilà, je te souhaite un beau chemin. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence, tu vois. On prend le temps de faire les choses, voilà, de trouver un équilibre aussi dans ce passage-là. C'est un passage initiatique. Donc voilà, besoin de trouver l'équilibre. Ok? Donc vas-y tranquillement, mais par contre, vas-y sûrement. Mets des choses en place jour après l'autre. Une action peut-être après l'autre. Et voilà, concentre-toi sur ce qu'il y a juste devant. Concentre-toi pas sur la finalité. Voilà, eh bien, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Salut, salut. Coucou, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3, attiré par cette carte-là. Alors, on y reviendra après. Donc, c'est la carte 32. Je l'ai appelée l'oiseau bleu et l'oiseau de feu. Voilà, parce que je les vois en haut ici. Je vois un petit oiseau bleu et un oiseau rouge, donc l'oiseau de feu. Et bah, écoute, on va découvrir la guidance et puis j'y reviendrai à la fin. Ça sera le message final ici. J'essaie de bien cadrer. Tac. Tac. Et voilà, parfait. Alors, l'énergie actuelle, qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce qui est présent sur ton chemin? Nous avons un 10 d'épée. Et le travail. Ok, 10 d'épée et travail. Bon, actuellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme d'épuisement.
on arrive avec le chiffre 10 en numérologie au bout de quelque chose. Hein. Là, on ne peut pas aller au-delà. Il y a voilà, quelque chose, on n'en peut plus. Peut-être quelque chose qui doit se terminer. Peut-être aussi on prend trop sur le dos. Tu vois, tu prends trop sur le dos. On a ce personnage qui est quand même au sol, hein, qui est vraiment voilà, rabougri. Enfin, je veux dire, là, il y a une perte de vie. Hein. Il y a peut-être une perte d'élan de vie, de vitalité, d'énergie. Parce que tout simplement, il y a toutes ces épées qui sont plantées dans le dos, là, donc qui le clouent à terre. Hein. Il y a quelque chose qui essaye de te mettre dans des énergies basses. Ouais, c'est ce que j'entends, dans les énergies basses. On a la carte du travail associé. Donc, déjà, spontanément, pour beaucoup, ça peut vouloir dire que à ce moment, c'est difficile, c'est une période un peu de d'épuisement, d'écroulement, c'est les symboliques ici liées au 10 d'épée, dans ton travail. Parce que, en fait, tout simplement, moi j'ai l'impression que tu as trop donné, tu as trop pris sur toi, trop pris de responsabilités, trop de charges, et peut-être des choses qui ne t'appartenaient pas, ou des choses que, voilà, qui ne sont pas nécessaires. Alors ça peut être dans ton travail, dans ta profession concrètement, parce qu'on a la carte du travail, mais dans un sens peut-être plus symbolique avec la carte du travail, peut-être aussi c'est dans le travail sur soi. Dans le travail sur soi, dans le travail spirituel, tu arrives à la fin d'un cycle avec le 10 d'épée, on arrive au bout de quelque chose, voilà, l'accomplissement. Donc c'est pas forcément d'ailleurs négatif, hein, parce que le 10 d'épée, il nous dit que là, ça peut être douloureux. Hein, l'image le dit assez bien, c'est éprouvant, notamment dans le corps, mais pas que, dans la psyché aussi, puisque c'est le domaine des épées, le 10 d'épée. Donc c'est éprouvant, mais il y a une bonne nouvelle, parce que le 10 annonce dans sa vibration du 10 qu'on va pouvoir passer à autre chose, d'accord? Justement, on a passé toutes les étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on est arrivé au bout. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui se termine. Et justement, ça, c'est pas la mort. Hein. Enfin, on a le personnage qui est planté avec toutes ses épées. On pourrait croire que c'est la mort. Mais ici, c'est une mort symbolique. Donc, quelque chose, voilà, est arrivé à son terme, tout simplement. Donc, peut-être dans ton travail, peut-être que tu vis une sorte de burn-out. Peut-être que t'en peux plus. Tu as vraiment envie de changer d'air. De changer d'activité. Et aussi, ça peut être, voilà, comme je te disais, avec le travail intérieur. Donc là, voilà, ça annonce que tu as beaucoup travaillé, ça a été difficile, et là, t'arrives au bout, quoi. Hein, t'arrives au bout d'un travail sur toi-même. Peut-être que justement, ce travail intérieur t'a permis de symboliquement tuer une partie de l'ego, mettre à, enfin, abandonner certaines croyances, certains schémas de pensée. Voilà, donc essaye de voir un petit peu aussi toi comment ça résonne là, dans quelle énergie tu te situes. Est-ce que c'est professionnellement, est-ce que c'est intérieurement, est-ce que c'est les deux aussi? C'est tout à fait possible que ce soit les deux. Mais ce que je retiens aussi, c'est vraiment que là, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup investi. Ça t'a pris énormément d'énergie et peut-être trop, hein, peut-être trop. C'est pour ça que là, il y a une pause, il y a quelque chose là qui doit, voilà, vraiment s'arrêter pour pouvoir souffler aussi, pour pouvoir reprendre des forces, pour voilà, retrouver de la joie, de l'énergie, de la vitalité. J'entends que il y a pas mal de choses qui sont en train de se dévoiler actuellement. Tu prends conscience aussi peut-être de certaines blessures. De certaines blessures qui remontent à loin, des blessures du passé. Des blessures qui t'ont. Comment dire ça? Comment exprimer le ressenti? J'entends des blessures en fait qui t'ont fait jouer sur, enfin qui ont influencé, pardon, l'estime de toi.
Ouais, dans ton chakra du plexus solaire, hein, là, il y a quelque chose qui a été affecté, peut-être que tu es en train de guérir justement. Oui, j'entends que le travail sur le chakra, ah, sur le chakra du plexus solaire, ça peut t'aider avec des méditations et des choses comme ça. Voilà, de toute façon, ça peut pas te faire de mal, mais particulièrement, j'ai l'impression que ça peut te faire du bien. Même si on n'est pas encore dans la partie des conseils, là, ça me vient spontanément. Ok. Alors justement, deuxième partie, qu'est-ce que l'univers, il t'invite à expérimenter vraiment? Qu'est-ce qu'il souhaite que tu vives l'univers? Alors on a une arcane majeure, je crois bien que c'est peut-être la première des trois jeux qui ressort dans les trois, enfin dans les trois guidances. Donc tu as la première arcane majeure, il me semble. Donc le pendu. Et bah oui, ouais. Je comprends direct le message, le pendu. Et le karma. Eh oui. Bon. Eh bien, le pendu, ici, qu'est-ce que l'univers, il veut que tu vives? C'est le dépouillement, le lâcher-prise, l'abandon. L'abandon, enfin, le fait de s'abandonner, eh bien, à l'énergie de vie, à la vie elle-même, faire confiance au divin et se délester de ses pensées, de son passé, etc. Là, clairement, le message est extrêmement simple. L'univers t'invite dans le lâcher-prise. Regarde, ce pendu, eh ben justement, il n'est pas aux prises avec quelque chose, il n'est pas dans l'action avec les mains, il est pendu par le pied, donc il se laisse guider par le haut, par le divin. Il se laisse porter, tu vois, il se laisse littéralement porter par autre chose qui n'est pas de son ressort. Voilà. Oui, il s'abandonne complètement, en fait. Hein? Et on voit aussi l'illumination au niveau de sa tête. Donc ça veut bien dire qu'il y a des prises de conscience ici. Peut-être qu'on t'invite justement à arrêter certaines choses. Hein. Le 10 d'épée peut représenter la fin, parfois la fin brutale de certaines choses, de certaines situations. Mais on te dit que c'est dans l'abandon, dans le lâcher-prise, que tu vas avoir des grandes révélations. Hein, on a une sorte d'éveil ici. Parce que la carte 12 du pendu est aussi une carte profondément dans son essence spirituelle. Et le karma, bah, tu vois, ça représente notamment le passé. Hein, le karma, c'est ce qu'on a vécu qui a des répercussions encore sur ce qu'on vit aujourd'hui. Donc peut-être que on t'invite ici à abandonner littéralement le karma, ton passé, à mettre des choses en place pour te dépouiller. Voilà, c'est une carte de dépouillement, le pendu, se dépouiller de tout ça, de ce karma qui est lourd au final, qui est très lourd. Mais ce sont aussi, comme je t'ai dit, des prises de conscience, des illuminations par rapport, eh bien, au karma, par rapport à ces notions-là, peut-être de karma, les conséquences de nos actes, de nos choix. Voilà, c'est difficile à te traduire là ce que je ressens, mais c'est un travail spirituel différent, si tu veux, que ça t'amène sur toi. Et justement, là, ça t'amène dans des énergies de haute vibration parce que comment dire, tu vas pas chercher des réponses avec le mental ou en essayant de trouver des solutions à un problème, à régler quelque chose. Au contraire, ça va se régler en lâchant prise, en t'abandonnant. Ou en le remettant dans les mains du divin, de tes guides, et ensuite en lâchant prise sur tout ça. Ouais. Ici, il y a une épuration qui est en cours. Une épuration, purification en fait. Épuration, purification. Pour ramener la lumière en toi, pour permettre aussi, j'entends,
symboliquement à la lumière de traverser. C'est comme si avant, il y avait une couche énergétique j'allais dire protectrice, mais en fait non, parce que c'était plutôt emprisonnant, qui était là, peut-être représenté dans ce 10 d'épée, avec le mental, avec bon, voilà, tout ce que ça peut représenter. Et ça ne permettait pas à la lumière véritablement de passer en toi. Et la lumière, voilà, c'est la lumière de Dieu, enfin, de l'amour, voilà, de ce que tu veux. Donc là, c'est dans l'abandon, en laissant tomber tout ça, en laissant tomber toutes ces épées, que tu te libères. Tu vas pouvoir recevoir la guidance de l'esprit divin, de ta propre lumière. Donc la lumière qui te traverse. Ce que j'entends avec la carte du karma, en complément du pendu, c'est que... Alors attends, je vais... Des fois, ça va tellement vite en moi, j'ai spontanément le truc, mais j'ai pas encore les mots. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Alors, je vais essayer de faire simple. Le karma. Le karma, si on prend l'essence du karma, c'est chaque acte a des conséquences, d'accord? Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de choses que l'on a faites, que l'on a dites, que des choix que l'on a faits, bref, de notre passé, ok? Donc, si dans le moment présent, si dès à présent, toi, tu ne fais plus rien, tu vois, le pendule a les mains derrière le dos. Tu n'es plus dans l'action, tu es dans l'accueil, dans la réception. Tu laisses, comme je t'ai dit, le destin faire les choses, le divin, orchestrer ça à travers ses souhaits. Eh bien déjà, d'une certaine manière, t'auras pas cette responsabilité, oui, t'auras pas cette responsabilité-là. Tu t'allèges de tout un poids, de fardeau ici, de charge ici. Il y a beaucoup de quelque chose de très lourd. Donc tu t'allèges de ça. Tu le remets dans le divin, et justement, les conséquences, c'est que ça sera amené, les conséquences seront divines, si tu veux, d'accord? La non-action ne veut pas dire qu'il va rien se passer, que ta vie, elle s'arrête, et ça y est, c'est sur pause, et puis c'est quand qu'on remet le film. Non, au contraire, dans l'abandon, il va se passer beaucoup de choses. Et il va pouvoir y avoir un nettoyage karmique, et justement, si on laisse faire le divin, la conséquence, c'est la conséquence divine. Donc, comment ça sonne ça à mes oreilles? Comment ça sonne à tes oreilles? Eh bien, pour moi, ça sonne bien, parce que je fais confiance au divin. Donc, si le divin s'en charge, les conséquences, elles seront peut-être même au-delà de mes espérances, au-delà de mes attentes. J'ai plus d'attentes ici, j'ai confiance, je laisse faire. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais ça résonne pour moi en tout cas. Et bien, troisième et dernière position, c'est la carte solution, les conseils. Comment en fait passer de l'énergie actuelle à ce que le divin, l'univers t'invite à vivre? Comment on passe de ça à ça? Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, on a le 5 de Pentacle. Et la tristesse. Ok, alors, plusieurs messages ici. Déjà, on te dit d'accepter ton état, accepter ta situation, accepter tes émotions aussi. C'est ça, dans l'acceptation de ce qui est, comment dire, on ne lutte pas contre ce qu'on ressent intérieurement. Contre des émotions, des sentiments, des pensées. Voilà, on les laisse nous traverser, on les laisse nous traverser, mais on ne les retient pas pour pas que ça se cristallise justement dans notre corps, dans nos cellules, dans notre corps énergétique. Ça se cristallise et forcément, bon, bah, c'est comme si c'était un poison. Enfin, comment dire si ce sont des énergies, des émotions négatives, eh bien, tout ce qui n'est pas vécu. Donc c'est pour ça, acceptation et le vivre, mais ensuite le laisser couler. Eh bien, ça va se cristalliser et ça ressortira à un autre moment.
Le 5 de denier, ça représente le sentiment d'abandon, d'être comment dire, moins bien loti que les autres, de ne pas avoir de chance, d'être dans le manque. C'est l'énergie du manque aussi, le 5 de denier. Alors peut-être ici que ben voilà, tu ressens ce manque, ce qui amène voilà une forme de tristesse. Mais comment passer de là à là? Ben justement, c'est en ne te focalisant pas uniquement là-dessus. Ah, j'entendais autre chose. Alors, c'est un petit peu peut-être cash hein, la phrase là, ouais. Mais en ne s'apitoyant pas sur ton sort, d'accord? Parce que ton sort, justement, avec le chiffre 5, il peut être amené à changer, ça peut être différent, d'accord? Mais pour ça, j'entends, il faut que tu acceptes de l'aide aussi. Accepter de l'aide du divin, déjà, peut-être. Accepter de peut-être de parler avec certaines personnes de ce que tu ressens, d'un certain vide ou d'un manque, de manquer de quelque chose. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que tu te renfermes avec ça. Tu as besoin de t'ouvrir et de pouvoir en parler ou, encore une fois, de le remettre dans les mains du divin. J'ai l'impression que ces deux personnages, en fait, tu vois, ils sont. Voilà, ils sont plutôt dans une sorte de misère, de pauvreté dans l'image. Et en fait, ils sont juste là, à une église, tu vois, ils vont à une église. Donc peut-être, bon, t'es pas obligé d'aller à l'église, mais ça peut t'aider, peut-être, de faire une prière symboliquement. Cet acte d'aller à l'église et de t'adresser à Dieu ou à tes guides, ça peut être extrêmement bien. Alors. Ouais, t'as besoin de sortir, t'as besoin de sortir de cette énergie de manque, peut-être aussi de dévalorisation personnelle, hein, de ne pas voir ta valeur, ta propre valeur, de te sentir toujours. Peut-être incompris, peut-être mal aimé, et peut-être que justement ça t'a amené à te voir beaucoup plus bas que ce que tu es et de ce que tu peux vibrer. Et dans tous les cas, ici, en tant que conseil, ouais, pour moi, j'y vois vraiment remettre au divin, prier aussi peut-être. Pour que les choses s'améliorent, pour avoir une aide providentielle, en t'exprimant avec le cœur ici, en n'ayant pas peur de tes émotions, encore une fois, et en les vivant pleinement, en les assumant pleinement. Ok, et pour revenir bien sur l'oiseau bleu et l'oiseau de feu, alors déjà, tu vois, c'est intéressant parce que l'oiseau bleu, là, bah, ça me ramène au côté émotionnel. Le bleu, pour moi, ça me fait penser à l'eau et c'est l'émotionnel. D'ailleurs, c'est pas comme ça que je voyais cette carte d'habitude, mais là, c'est comme ça que ça me vient pour toi, dans ton tirage. Donc l'émotionnel, c'est toi qui viens t'exprimer ici à l'oiseau de feu, bah, qui représente, bon, là, peut-être le phénix, mais c'est un oiseau légendaire, c'est l'oiseau du divin, tu vois. Donc venir confier tes sentiments, comment tu te sens actuellement au divin. Au divin. Il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, l'oiseau bleu et l'oiseau de feu, je les ai symbolisés comme ça parce que pour moi, ils sont dans la communication ici. Il y a une communication entre les deux. Il y a une écoute, bien sûr, mais il y a comment dire, un partage, hein, parce qu'ils sont différents, l'oiseau bleu et l'oiseau de feu. Donc, ici, on t'invite vraiment à être dans l'expression, dans la communication, dans le partage. Peut-être aussi aller voir quelqu'un autour de toi qui peut être comme un mentor, comme un protecteur, comme un guide, ou alors tout simplement, encore une fois, t'adresser à tes guides et au divin.
Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça aura résonné pour toi. N'hésite pas à me partager, eh bien, tes ressentis dans les commentaires. Laisse-moi un petit pouce bleu aussi si tu veux m'encourager. Je t'embrasse fort. Je vois l'heure, c'est que j'ai un rendez-vous aussi qui va commencer. J'ai pris entre deux là un petit peu, donc voilà. Mais c'est tout juste. J'arrive pile poil à temps. Donc je t'embrasse fort. Je te souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.